Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une paire de lunettes de cyclisme de la marque BBB qui a la particularité de posséder un insert optique, donc qui convient aux gens qui portent des lunettes. Bonne nouvelle, ces lunettes sont livrées avec un étui rigide, donc ça promet pour bien protéger ces lunettes. À l'intérieur, quand j'ouvre, j'ai encore une protection d'un petit étui en tissu. Et puis voilà ces fameuses lunettes. La monture, l'ossature des lunettes est en gris lamide de très haute qualité avec un nez réglable. Donc, que vous ayez un nez épais ou fin, vous pouvez régler. Ce nez réglable est en caoutchouc. Et quand vous le fermez, vous avez donc la protection. Vous voyez, les branches protègent l'insert. Cette paire de lunettes optiques a été développée pour tous les cyclistes qui portent des lunettes et qui ne souhaitent pas se balader avec leurs lunettes de vue sur les routes. Ceci est vraiment très judicieux parce que vous avez un insert qui vient se clipser très solidement. Ces lentilles optiques fonctionnent avec une correction oculaire allant de moins 6 à plus 6. Donc, ok, c'est vraiment adapté à pratiquement tous les gens qui portent des lunettes, quoi, hein. Ensuite, le verre de la lunette elle-même est un verre photochromique, c'est-à-dire qu'il va réagir aux ultraviolets qui vont venir frapper votre paire de lunettes. Ici, à l'intérieur, ben, vous voyez, c'est pratiquement blanc, hein, c'est légèrement teinté. Plus vous allez rouler sous un temps ensoleillé, plus les verres vont se fumer et vont se teinter. Pour installer cette correction dans l'insert optique, il suffit d'aller chez votre opticien. L'avantage, c'est que à l'achat, vous aurez déjà des verres qui sont neutres, hein. Donc l'opticien pourra déterminer avec exactitude le point repère, notamment pour les gens qui ont des verres progressifs, comme c'est mon cas. C'est très important pour faire la mise au point très rapidement quand vous passez d'une vue de près à une vue de loin. Je vais vous montrer comment monter cet insert et monter les verres, notamment pour le nettoyage. Commencez par enlever les verres. Donc, je tire de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et voilà deux. L'insert, vous le voyez, est bien installé. Donc, il me suffit de le retirer. Voilà. Donc, je peux nettoyer les verres qui sont sur l'insert et les verres des lunettes, les verres chromatiques. Pour replacer l'insert optique, vous voyez, il y a ici un petit crochet et à l'intérieur de la monture, il y a une petite encoche. Donc, je vais placer, c'est que vous voyez, voilà, et voilà, donc tout est clipsé. Je donne un petit coup de chiffon, l'insert est bien en place, il ne bouge pas. Pour remonter les verres, vous vous souvenez,
que pour les enlever, on est parti du centre, et bien pour les remonter, on part de l'extérieur vers l'intérieur, voilà. De l'extérieur vers l'intérieur, et les voici clipsés et prêts à l'usage. Voilà donc les lunettes BBB Optique PH, pour photochromique, prêtes. Je les installe, elles tiennent parfaitement en place, elles ne bougent pas. Vous pouvez tirer la tête dans tous les sens, de bas en haut, de gauche à droite. Elles tiennent parfaitement puisque vous avez ajusté vos branches et le nez. Elles ne vont pas glisser non plus à cause de la sueur. Et vous n'aurez besoin que d'une paire de verres, puisque suivant la luminosité à l'extérieur, elles vont changer de couleur. Donc, partant gris, elles vont être de cette teinte-là. Partant couvert, mais légèrement ensoleillé, elles vont foncer. Et par grand soleil, elles seront complètement solaires. Donc, vous êtes paré pour toute la saison avec une seule paire qui coûte aux alentours de 115 € si ma mémoire est bonne. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment un achat fantastique.